La hiérarchie suppose que vous, sous-préfet, vous puissiez assumer pleinement vos responsabilités vis-à-vis des chefs traditionnels qui sont sous votre autorité et dans vos ressorts territoriaux respectifs. Si vous êtes incapable de pouvoir exercer votre autorité, puisqu'ils vous doivent respect et obéissance, c'est ce que la loi dit. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas à la dimension donc, de la fonction, et à partir donc, de ce moment, j'attendrai du gouverneur qui est là un rapport circonstancié sur votre manière donc, de servir. Et croyez-moi, je n'hésiterai pas un seul instant à quand même donc, faire partir celui qui est incapable donc, d'assumer ses responsabilités. Il doit en être ainsi également donc, des préfets qui doivent avoir l'autorité nécessaire sur les sous-préfets du ressort de leur unité administrative. Si vous craignez, parce que tel est le frère d'un tel, il appartient à telle communauté, il est un ceci ou un cela, à partir donc de ce moment, vous êtes également incapable. Et si vous êtes incapable, moi je vais sévir. Pour peu que le gouverneur me signale des défaillances, et à partir donc de ce moment, j'agirai sans remords. Parce que notre travail est un travail à la chaîne. Si un maillon de la chaîne est défectueux, tout ce que nous faisons s'écroule.